Salut à tous, c'est Trunkan et on se retrouve en galère hein, sur Uncharted Among Thieves, Uncharted 2. Et donc on est sa mère en galère. On est revenu au début du jeu, enfin là où le jeu commençait. Et du coup on va devoir... Bon, Philippe. Oui, ça craint, oui. On va passer de l'autre côté alors, hein, c'est mieux. Allez, je pète à plus pute. Il vient quand même de se prendre une balle dans la... dans la hanche et il arrive à grimper. Hein. Moi je dirais à gauche. Eh oui, c'est à gauche. C'est à gauche ou faut monter carrément sur le... Oh. D'accord, fallait déclencher le script. Et... Ce serait plus simple d'abandonner. Oui. Mais si t'abandonnes, le jeu est terminé, donc... Y a pas d'intérêt. Alors on fait tranquillement le tour. Tranquillement, on a dit. Oh, putain. On peut faire une pause. Non. Et grimpe. C'est un peu le souci avec Nathan. Allez, hop là, voilà. Merde. Ça peut pas être pire. C'est pas tout à fait la même séquence d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Là t'as pas le choix, c'est grimpe ou crève. Oui, c'est normal. Hey, dépêche-toi. Allez, 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 saute, enfoiré. Ça c'est fait. Bordel. Ah oh, putain. Qu'est-ce que t'as foutu, pote? Voilà. La fameuse dague du début qu'on savait pas d'à quoi qu'elle servait. Que maintenant on sait. Oh, ça pique, hein. Mmh. Et là il se fait harakiri direct. Bon, c'est quoi ce bordel? Voilà, ça c'est fait.
On va essayer de se faire discret quand même. Oh oui, je t'ai vu toi. Oh oui, je t'ai vu. Bonjour. Discrétion. Il n'est pas mort. Mais là, il est mort par contre. Hein. Ah là, j'ai mal. Là, j'ai mal. Fuck. Ok, donc là je suis un poil en galère. Non, descendez-le, mais ils sont pas sympas. Hein. Voilà, ça va les faire flipper. Ok. Voilà, comme ça vous m'aurez pas. Ouais, ça aussi t'es caché là. Ok. Ok. Là. Salut. Ok. Montre-toi. Mais laissez-moi tranquille. Tas de cons. Ils sont où? Putain, ils sont là. Il se cache où? Bah oui, mais ça c'était un truc à pas faire. Hop là. Ah bah je crois que c'est cassé ça. Voilà. Voilà, je suis bien en galère. Merde, je l'avais pas vu. J'avais pas vu. Il a fait le tour. Yeah.
Ok, on s'énerve pas. On s'énerve pas. Voilà, toi t'es mort. C'est bon. Voilà. Oh, j'espère qu'il n'y a plus personne. C'est Junimar. Je me souvenais plus que c'était comme ça en fait. Ouais, je peux grimper et sortir de là. C'est pour être sûr. Soit c'est mes tripes qui sortent, soit c'est moi. Ha. Allez, grimpe. Grimpe. Oui, ça s'appelle une tempête de neige. Et en galère hein, quand même. Il est en galère. Non mais c'est bon, c'est que de la neige. En plus, ça engourdit la douleur. Alors, t'emmerdes pas. Ce que je me demande, c'est comment il a réussi à grimper sur le wagon et tout, tout en ayant aussi mal. Cela, il arrive même pas à marcher. Bon, il a froid aussi, mais c'est un autre problème. Oh, un autochtone. T'as bien mis ici cul. C'est Connor Kenway. Oh, une vieille chinoise tibétaine. Qu'est-ce que je fais là? Ça biche. Moi pas comprendre. Okay. T'as fait boire un grog, ça va mieux maintenant. Reprends-en, c'est de la bonne. Merci. Oui, je parle tibétain, j'ai fait tibétain et cantonais. Doucement, doucement, c'est chaud, mais reprends-en quand même. Il faut, sinon tu vas mourir. Hein. Je suis désolé, je comprends pas. Ah, t'es vraiment qu'une merde. Putain, mais quel boulet. Yalang. Allez, bouge ton cul. Merci. Y'a pas de soucis. Tiens, mets ça, t'as l'air moins con. Surtout le chapeau. Non, je déconne. C'est moi. Et où on est là? Dans ton cul. Oui, c'est ça, dans ton cul. La voix off a raison. Oh, j'imagine que je dois le suivre.
Eh ben avance. Oh, les cocottes. J'ai compris, je vous suis. Eh ben, pour l'instant c'est toi qui me suis, alors bouge ton fion. Hein. What the fuck, c'est joli. C'est joli, hein. C'est coloré. Dégage toi. Oui c'est bon, arrête de te tenir les couilles, j'arrive. C'est gentil chez vous. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas de neige. Et voilà. Oh, Monsieur Torres. Oh, oh, Minotaur. C'est bon, j'arrive. T'inquiète pas. Tu s'inquiètes pas, j'arrive. Non mais je suis là, hein. Oh. Je suis là. Ils comprennent pas tout les Tibétains. Oh, quel racisme. Et des plus... Bon, allez, moi je sais où il faut aller. Ah, t'es vraiment nul. Hein. Je vous vois tous les deux. Ah, il parlait au gosse, d'accord. Bon, donc il faut aller là. Hein. Et moi qui pensais que je n'avais plus rien à perdre. Nate! Oh Dieu merci, tu vas bien! Oh, pardon, je... T'inquiète pas. Elena, dis-moi que t'as une idée de ce qui se passe. Est-ce que je suis là depuis longtemps? Ça fait juste quelques jours. Je suivais les traces de l'épave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'avais raison pour Chloé. En fait, elle ne cherchait pas vraiment à être sauvée. Est-ce que c'est elle non, qui a... Non, non, c'est à Flynn que je dois tout ça. Chef Ogo Desha. Yaya, Miyagot Sesson. Viens, quelqu'un est impatient de te voir. Tiens, notre mystérieuse invitée est debout. Nate, voici Carl Schaeffer. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien, bien. Je vous en prie, venez par ici. Il semble que nous ayons beaucoup en commun, Monsieur Drake. Vous croyez? Oui. Il y a 70 ans, je suis venu ici, comme vous, porté jusqu'au village presque mort. Dernier survivant de ma compagnie. Et j'avais été engagé pour mener une expédition au Tibet pour trouver l'entrée de Shambhala. Mais ce qu'il cherchait, c'était la pierre de Shintamani. Alors, mon ami, où avez-vous trouvé ça? À Bornéo. Pourquoi? C'est la clé vers Shambhala. C'est le seul objet dont votre adversaire a vraiment besoin, même s'il ne le sait pas encore. Oh, je pense qu'il le sait. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, vraiment. Mais tout ça, c'est du passé. Alors, vous laissez tomber, hein? Votre quête est finie. Ouais, c'est ça. Et si ce n'était que le début? Où est-ce que t'as trouvé ce type? Croyez-moi, jeune homme, votre ego s'en remettra. Vous avez de la chance d'être en vie. Ouais, je sais, tout le monde me rappelle à quel point je suis chanceux. Mais la vérité, c'est que je détruis tout ce que je touche. Nate... Non, Elena, c'est fini. J'en ai marre de jouer les héros. Votre adversaire n'abandonnera pas si facilement. Il continuera, tant qu'il ne détiendra pas ce qu'il désire. Ah ouais? Eh ben tant mieux pour lui. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Certains des dirigeants les plus effrayants de toute l'histoire du monde ne possédaient qu'un seul petit fragment de la pierre de Shintamani. Des hommes comme Tamerlan, Gengis Khan.
Si un simple éclat peut offrir un tel pouvoir, imaginez ce que deviendrait un homme s'il possédait la pierre tout entière. C'est de la folie. C'est forcément ce qu'il cherche, Nate. Mais Lazarevitch est complètement dingue, il court après un mythe. Et si tu te trompes ? Non, Elena, s'il te plaît. Et si c'était vrai ? On sait de quoi il est capable. Je comprends que vous doutiez. Vous voulez une preuve. Quelque chose que vous pouvez voir de vos yeux. Tenzin, Krungani et Salati Gauche. Trouvez les restes de mon expédition et vous aurez votre preuve. Tenzin vous guidera. Sho. Nyenyam de Sho. Karachasan. J'espère vivre pour pouvoir le regretter un jour. Reviens en un seul morceau. Alors mec, je suis sûr que tu parles pas un mot de français. Eh bien, c'est accueillant. Ça dit quoi ? Pourquoi je demande ? De... Tinson ! Je suis pas très fort en charade, l'ami. Coupa, Chomega. Attends ! Tenzin ! Qu'est-ce que tu fais ? Alpinisme. Putain, dead bug. Wow. Tu parles d'un gouffre ? Ouais. Me dis pas, faut que je saute. Ah, bon. On aurait pu me rattraper, lui, hein. Ah, vous auriez pas pu mettre un putain de panneau. Ouais, pas mieux. Oula, y a pas moyen de traverser ici. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Quoi ? Ouais, bonne chance l'ami, c'est quasiment impossible. Ouais, t'as réussi, la classe. Haha. Bien sûr, comme si j'allais m'agripper une corde aussi pourrie. C'est pas trop le choix. J'espère que tu sais ce que tu fais, mon pote. Descends plus vite, enlève ton chapeau de mes fesses. Exactement, c'est ce que je pensais. Il comprend toujours pas ce qu'il dit, hein. Vive l'érosion. Ouais. Surtout, il y a un truc qui brille là-bas. On dirait qu'on est sur le bon chemin, mais il n'y a rien ici. C'est pas ce que Schaeffer avait dit. Ouais, par là, c'est ça. Ces trucs morts, tu sais. Comme ta femme. Comment je peux... Ah. Non. Il y a moyen d'y aller, là, normalement. Non. Bah, osez, alors.
Ah oui, en faisant tourner la corde peut-être. On va tester, hein. Yo! C'est ça. C'est pas assez. Et là, tu regardes, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, prochain... Yeah! Ouais, c'est carrément trop loin. Certainement sauter sur la tente. On va try. Non, on peut pas. Bon. Bah, tant pis pour le trésor. De toute façon, ça rapporte rien à part des points pour le multi. Pas que ça, Bradley! Pa-pa-la-pain. Prince of Persia. Bon, il y a 20 cm de marche, tu peux quand même bien sauter au-dessus. Eh, hey, y a pas le feu. Eh oh. Doucement, Altaïr. Pas des baskets. Si t'as des baskets d'ailleurs. Encore des loups. Fantastique. T'es chaud. Ouais, d'accord. C'est un tour pour rien. T'as trouvé quoi? Jody Sheffel du Mi. Cadavre! Il est mort depuis longtemps. Eh, tada. La pierre de Shintamani. Ça doit être un des hommes de Sheffel. Oh! Et merde! Dites ma topessas. On fait quoi maintenant? C'est facile de courir devant et hein. Moi je te suis. Tenzin, allez. Bon, je vais t'aider. Mon gars, n'y est qu'un yaka. Quoi? Yaya, taïnda. Ouais, enfin, je parle toujours pas. Moi d'abord, hein. Ok. Ah! Ok, et eh ben on va s'arrêter ici. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ces aventures dans une caverne en mode cliffhanger. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut à tous, bye.